tiers-livre, les ateliers d'écriture. On est dans l'atelier hebdo et permanent, mais vous savez que c'est un atelier qui joue de façon presque comme des prismes, avec des cycles en cours. Et parmi ces cycles, il y a une série qui s'appelle Transversal. Transversal, pourquoi ? Parce que à intervalles réguliers, on revient bosser sur ce qu'il y a en amont de l'écriture, ce qui se passe dans la tête avant d'écrire, la gestation même, l'intuition, le projet, et puis l'écriture elle-même. Eh bien là, ce sera Transversal 7. Mais attention, où est-ce qu'elle se place, Transversal 7 ? Juste en sixième exercice, qui aurait pu être aussi d'une série qu'on a appelée 5 exercices sur le dialogue. Alors, je ne reviens pas sur ces 5 exercices, mais je crois que c'est dans l'élan de ces 5, ou est-ce qu'on a fait du dialogue avec attention, quand vous faites le dialogue, faites ci, faites... Non, on a été au contraire, tire par ici, tire par là, reste autour, fais du dialogue sans parole. On a fait une sorte d'empreinte en creux, petit à petit, de comment l'oralité vient dans le texte pour qu'elle soit une adresse ou reçoive ce que dit un autre protagoniste. Et c'est un petit peu ça que je voudrais rester aussi là. Toujours dans cette idée du dialogue, pour moi, il y avait ce passage que j'ai toujours trouvé si beau de Rabelais. D'abord parce que dans le Pantagruel, c'est comme s'il n'était pas prévu. En gros, on s'est mis à raconter des farces d'étudiants. Et puis, avant de Rabelais, quoi, je raconte l'histoire là, de ce petit lutin qui s'appelle Pantagruel, j'en ai fait un géant. En fait, dans mon imprimerie, il s'agissait de faire un recueil de farces d'étudiants parisiens pour vendre sur les foires, et puis que mon travail sérieux, mes aphorismes de Galien et d'Hippocrate, mon travail de médecine ou le travail des amis juristes, ou tiens, le plan de Rome qu'on a décidé d'éditer, eh bien, faire tourner la petite imprimerie de Claude Nourry près Notre-Dame de Confort à Lyon. Et ce petit recueil de farces d'étudiants qui soit vendu sur les foires, aux foires prochainement venantes. Et Rabelais, il y a comme une espèce d'interrogation, il y a deux chapitres neufs. C'est-à-dire tout d'un coup, mais hey, qui est-ce qu'il raconte ça ? Ce panurge-là, mais d'où il vient ? Et juste avant, donc, on reprend, il y a l'étudiant Limousin, on est à Orléans, Pantagruel se dirige vers Paris, et il y a un étudiant qui en revient de Paris. Et puis, il va lui répondre avec du langage très parisien, l'autre sera contrefait, il va le saisir à la gorge, et l'autre, « Vé, dis coup, gentil autre, oh, oh, ayoudami, namtouka grou !» À cette heure, parles-tu naturellement ? Et il le laissait, car il se conchait à toutes ses fosses qui étaient à queue de merlu et non à plein fond. Faut toujours avoir un peu de Rabelais, là. Pas loin, pas loin, pas loin. Faut toujours y revenir. La fontaine des lettres françaises, disait Chateaubriand, au féminin. Et qu'est-ce qu'il fait avec le Limousin ? Il le déplie. Et là, maintenant, on est porte de Montreuil, à Paris. Arrive le gars, mais c'est que l'étudiant Limousin, serré à la gorge, plein de coca, on peut rien en faire. Donc on va refaire la même scène, mais cette fois-ci. Quoi donc ? Ne sais-tu parler français ? Si, fait, car c'est ma langue naturelle, etc., etc. Jardin de Touraine, ça a été rajouté 10 ans après. Là, tout ça, on est encore dans la partie, mais vous allez voir. Campanure, j'arrive. C'est quoi ? Il fait Pantagruel. Je veux bien te donner à manger parce que je vois que t'as faim. L'autre lui a dit, mais moi je veux bien vous raconter mon histoire, mais d'abord bribé. Il lui dit en toute langue, inventé. On dit, mais avant, qui êtes-vous ? Que cherchez-vous ? Où allez-vous ? Quel est votre nom ? Et là, 5 questions. Et le point d'interrogation. Bon, attention, page qui se tourne. Moi, souvent, je dis de s'en méfier, le point d'interrogation. C'est la grande leçon de Racine. Il y a des choses qui sont des suites d'affirmations, et puis il y a un point d'interrogation. Il y a des choses qui sont des suites de questions,
Oui, mais elle, c'est seulement un point neutre. C'est-à-dire que chez Racine, la ponctuation, c'est-à-dire le point d'exclamation, le point d'interrogation, ils sont une sorte de didascalie à l'intention de l'actrice ou de l'acteur. Et pas du tout quelque chose qui est lié à la fonction grammaticale de la phrase, qu'elle soit interrogative ou interjective. Ça existe ? Pas grave, nous, ça ne nous concerne pas, ces choses-là. Mais toujours, j'ai l'impression que le point d'interrogation, quand je le vois dans un manuscrit, dans un texte en cours, toujours s'en méfier. S'en méfier parce que, à mesure qu'on avance dans l'écriture, il y a quelque chose de naturel qui est ce raisonnement, ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, il va se passer quoi après ? On peut se le dire dans l'histoire, le truc, alors il va se passer quoi après ? Et on peut l'utiliser comme cheville rhétorique dans un texte. Aucun problème là-dessus. À condition qu'on soit sûr de n'avoir pas écrit soi-même ce qui concerne ou ce qui serait les échafaudages du texte. C'est-à-dire cet auto-commentaire dans l'intérieur du texte qu'il faut retirer. Parce que le lecteur, lui, par rapport à vous, vous êtes toujours dans « qu'est-ce qui va venir maintenant ?» Mais le lecteur, il est toujours, lui, dans « qu'est-ce que je viens de lire ?» Et il est basculé vers l'avant. Dans cette bascule, il n'y a pas de statut pour l'interrogation. Donc, moi, j'ai toujours eu cette tendance à dire, dans le travail avec les étudiants, dire « attention, ces points d'interrogation, ça te concerne toi, ça ne me concerne pas moi. » Danger, ça affaiblit le texte. Parce que le lecteur enlève-lui tout ça, mais le face à ces choses qui se heurtent, qui tremblent, qui glissent, qui dévalent, qui sont poétiques, plastiques, mais ne pas lui laisser l'espace de l'auto-commentaire. Alors souvent donc, se dire, méfiez-vous du point d'interrogation. Attention, page qui se tourne. Et puis là, ces jours-ci, j'ai repris ce petit recueil de Pérec. Il y a Pensées classées, L'infraordinaire, je considère être des petits recueils vraiment importants. C'est au point que je boycotte le Pléiade parce qu'ils ne les ont pas intégrés. C'est au point que je boycotte le Pléiade parce qu'ils ne les ont pas intégrés comme ce qu'ils considèrent être le corps, le socle de l'œuvre. Et puis un des troisièmes, toujours dans la librairie du XXe siècle, au Seuil, un recueil qui s'appelle « Je suis né », que j'avais un peu considéré comme secondaire, parce que, a priori, tu le lis, il n'y a aucun lien entre les textes. C'est une compilation de 8 textes, 8 ou peut-être plus, je ne sais plus, attendez, je vais recompter. 2, 4, 6, 8, 10 textes. Compilation de 10 textes qui sont d'abord chacun dans une forme différente. Il y a un entretien sur la mémoire avec Franck Venaille. Il y a une conversation enregistrée. Mais c'est pas rien. Il y a un magnétophone, on dit « je veux parler ». Il y a un magnétophone, c'est un gars qui s'appelle Jean Duvigneault, c'est une réunion d'une revue qui s'appelle « Argument ». Et Duvigneault dit « attends, je te place le micro, parle bien devant le micro ». Vas-y, Pérec, on t'écoute. Et Pérec parle du saut en parachute. Il n'a pas écrit là-dessus. Simplement, ce qu'il va raconter, c'est le moment où, avec un énorme parachute derrière, on est dans les années 50, et un parachute de secours, les deux font plus de 15 kilos, on titube, on ne peut plus bouger. Et à un moment donné, le saut dans le vide, le truc qui vous fiche la trouille, ce n'est pas son premier saut en parachute. C'est son 5e, 6e ou 8e, il ne précise pas. Il joue même sur la différence des différentes occurrences. Eh bien, on saute pour se débarrasser de cette espèce d'empêtrement où on est. Et lui, il en fait une métaphore là, pour là où ils en sont dans leurs problèmes de revue. Mais évidemment, ce texte-là, tous ceux qui on va approcher Pérec un petit peu, le connaissent. Il y a aussi, et c'est pour ça que, avec Lieu qui vient de paraître, j'avais ressorti ça, une lettre à Maurice Nadeau, et une lettre qui est plus que centrale pour là, chacun de nous, Pérecien, parce qu'il développe la cohérence du
de l'œuvre qu'il a entreprise à partir justement de cette notion de lieu et en tant que chacun des ouvrages va venir s'y emboîter. Simplement, il n'aura pas le temps de le réaliser. Il y a un autre texte qui est plus accessoire peut-être, ça s'appelle « Quelque chose, quelques-unes des choses qu'il faudrait tout de même que je fasse avant de mourir ». Alors là aussi, c'est un texte ultra bref, c'est 5 pages, mais il y en a combien ? Il y en a certainement beaucoup d'autres. Je m'arrête volontairement à 37. Ce qui prouve aussi que Pérec, entre les 53 jours, et là, je m'arrête volontairement à 37, lui qui est né en 1936, ces choses de numérologie, ça compte. Et vous allez voir, pour les points d'interrogation, ça compte encore. 37 choses à faire avant de mourir ? Ouais, mais c'est en 1981 qu'il écrit ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien, à ce moment-là. Est-ce qu'il le sait complètement ou pas ? C'est pas la question. Mais en tout cas, c'est un des derniers textes écrits avant sa mort. M'arrêter de fumer, entre parenthèses, avant d'y être obligé. Et puis, page qui se tourne, juste après la lettre à Maurice Nadeau et avant un texte sur le rêve. Il y a ça. C'est encore 2, 4, 6, 8 pages. Dans ces 8 pages, il y a 36, j'ai compté deux fois, 36 points d'interrogation. Et le relisant, je me suis dit, dialogue ou transversal. On va mettre ça dans transversal, mais c'est aussi un coda à notre réflexion sur le dialogue. Il faut qu'on s'y risque. C'est-à-dire que tout d'un coup, le point d'interrogation, qui est une mineure, qui est là, dans le déploiement de la langue, à un moment donné, tu en appelles à une interrogation. Eh bien là, le chemin du texte, en 8 pages, va être de cheminer vers ou par l'interrogation elle-même. Au point que le texte s'appelle « Les gnocchis de l'automne ». On nous dit que c'est une « private joke » pour quelques-uns. Laissons, ça ne nous concerne pas. Mais sous-titre « Ou réponse à quelques questions me concernant ». C'est un texte écrit en 1972, publié dans une revue dont le thème était « L'autoportrait ». Alors nous, ce n'est pas la question de l'autoportrait, ce n'est pas la question de formaliser une suite de points d'interrogation sur l'écriture. Ce que je vais vous proposer, pour moi, il y a une phrase déclencheuse, premier paragraphe, c'est le contexte où j'écris. 3 pigeons sont longtemps restés immobiles sur le rebord du toit. Au-dessus d'eux, vers la droite, une cheminée fume. Des moineaux frileux se perchent sur le sommet des conduits. Il y a du bruit en bas, dans la rue. J'écris, il y a le contexte, il y a ce qui m'entoure. Visuellement, auditivement, mais aussi dans une sorte de le temps va vite ou le temps va lentement. C'est un bruit en particulier ou c'est le bruit qui m'arrive de la rue. C'est la fenêtre. Je vois quoi de la fenêtre ? Rien. Le toit d'en face avec 3 pigeons. On met en place quelque chose. Mais deuxième paragraphe, vous voyez, 2 lignes et demie. Lundi, 9h du matin, il y a déjà 2 heures que j'écris ce texte promis depuis trop longtemps. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a déjà 2 heures que j'écris ce texte, mais la phrase s'ajoute là juste à la 6e ligne. Du texte. Petite contradiction, c'est pas grave. L'important pour moi, et c'est ça que je voulais vous proposer comme point de départ, lundi 9h du matin, il y a déjà 2 heures que j'écris. C'est-à-dire on est déjà en train d'écrire. On écrit, on pratique une sorte de dépli, comme ma petite page qui se tourne, la voilà, dans l'intérieur même du temps de l'écriture. J'écris. Je suis installé dans la rédaction de mon texte. Il y a déjà 2 heures que j'écris. Et dans ce continuum de l'écriture, qui n'est pas forcément être là en train d'écrire ce texte comme lui va le faire, mais là où vous en êtes dans votre projet,
dans vos routines d'écriture. Moi, c'est pas un hasard aussi si je propose ça, juste au moment où je me propose de construire quelque chose qui serait pendant 40 jours un exercice quotidien d'écriture. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que c'est lié à ça aussi. On est en train d'écrire, et dans ce « il y a déjà 2 heures que j'écris », on va installer des points d'interrogation. Et c'est pour ça aussi que je voudrais, je sais que ces vidéos sont en mode public, le texte de Pérec, là, il est scanné, je vous le mets, mais uniquement pour les gens qui sont inscrits dans cet atelier, dans ces cycles d'ateliers hebdo et permanents. Pourquoi ? Parce que c'est un texte dangereux. On va travailler sur le doute, la difficulté. Ça veut dire qu'il faut scruter de près comment Pérec conjure le risque qu'on prend. Et si pour vous, vous abordez cet exercice là sans la solidité d'un travail en cours, c'est pour ça que nous on fait atelier hebdo ou qu'on a une grande attention là aux chantiers personnels et qu'on les discute collectivement, eh bien on peut se prendre les pieds dans le tapis. Et pour ouvrir cette question de la difficulté et du doute, évidemment on a tout le temps le doute. Évidemment, on est tout le temps à se battre physiquement avec soi-même comme obstacle, avec sa propre réticence à lever l'écriture, à pousser l'écriture, ou la question de la légitimité. Qui je suis pour écrire ? L'autorisation intérieure. On ne sait pas où sont nos excès, nos folies. On ne le sait qu'une fois qu'on y est allé. Donc, comment tu lèves la question des autorisations intérieures pour y être à l'endroit où, rétrospectivement, on pourra dire « j'ai trouvé ça parce que je suis allé là ». Et c'est ça que vont scruter, lever 36 fois d'affilée les points d'interrogation de Georges Pérec. 36 points d'autorisation en 8 pages. Alors, si je dis « faites attention » et prendre attentivement ce texte avant de commencer à écrire, et nous, c'est pour ça qu'on fait des ateliers d'écriture collectifs, réguliers, on s'épaule, c'est que, oui, il y a 36 interrogations, mais pour chaque interrogation, il y a une affirmation. Pérec, même lui, ne se lance pas dans ces sables mouvants, ces espèces de... On a ça dans la Loire, ici, paraît-il. Elle est pas loin derrière moi, même si j'y vais pas souvent. Eh bien, la Loire, elle peut être très basse, un étiage, là, même en ce moment, c'est assez paniquant, ce fleuve qui n'a plus d'eau. Mais le charroi d'eau, il est sous les croûtes de sable, sous les bancs de sable. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a aucun fond, marcher sur... dans 30 cm d'eau extrêmement limpide et claire, ça peut s'écrouler, et c'est la noyade. Oui, on est dans un exercice avec risque de noyade. Et je tenais à mettre ça en amont. Est-ce que ça nous empêche d'y aller ? Ben non, justement, puisque la conjuration, elle est là. J'ouvre au hasard. Il va de soi que lorsqu'on commence à avoir des idées pareilles, entre parenthèses, même si ce ne sont que des caricatures, fin de la parenthèse, il devient urgent de se poser quelques questions. Je sais en gros comment je suis devenu écrivain. Je ne sais pas précisément pourquoi. Affirmation. Vous êtes sur le socle, sur le solide. Et puis, sur ce solide, eh bien, 3 points d'interrogation. Avais-je vraiment besoin pour exister d'aligner des mots et des phrases ? Point d'interrogation. Me suffisait-il pour être d'être l'auteur de quelques livres ? Point d'interrogation. J'attendais pour être que les autres me désignent, m'identifient, me reconnaissent, mais pourquoi ? Par l'écriture ? Point d'interrogation. Évidemment qu'aucun d'entre nous n'a de réponse au « mais pourquoi par l'écriture ?» Là, j'ai des guitares. Ben non, c'était pas par la guitare. Est-ce que c'était par l'écriture ? En ce moment, ce matin, là, en gambergeant sur cet exercice, je me suis dit,
Peut-être que ce qui me relie là à ce dispositif, le micro, la caméra, le livre et le temps, c'est que ce que j'explore par la parole est plus fragile qu'au bout de 35 ans de mettre par l'écriture. Ce dispositif-là de publication de parole et d'improvisation, il est en ce moment ce qu'il y a de nécessaire pour moi qui me relie à l'écriture par le mot de fragilité. Ça ne me concerne que moi. Mais cette sorte de balance, c'est ce que je voudrais que vous expérimentiez. Il suffit de lire Pérec. L'écriture me protège, point. J'avance sous le rempart de mes mots, de mes phrases, de mes paragraphes habilement enchaînés, habilement, de mes chapitres astucieusement programmés, astucieusement, point. Je ne manque pas d'ingéniosité, point. On affirme. Et une fois que tu as affirmé le socle, alors à ce moment-là, tant pis si tu tombes dans la poche d'eau, sous le banc de sable. Ai-je encore besoin d'être protégé, point d'interrogation. Et si le bouclier devient un carcan, point d'interrogation. Et on a avancé de 2 points d'interrogation sur les 36, mais il y a eu ça. L'écriture me protège, point. J'avance sous le rempart de mes mots, de mes phrases, de mes... Ai-je encore besoin d'être protégé? On aurait presque envie que les questions, s'il faut regarder graphiquement le scan que j'ai fait du texte de Pérec, que ça s'avance en même temps. L'écriture me protège, ai-je encore besoin d'être protégé? Et qu'on soit sur 2 strates qui soient continuellement en train d'avancer ensemble. À la fin, il n'y a plus de point d'interrogation dans le dernier. Il y a des renversements aussi. Je prends un autre exemple où là on va avoir 2, 4, 5, 6, 7 points d'interrogation d'un seul coup et 8 points d'interrogation d'un seul coup et on sera tellement engouffré dans la suite des 8 points d'interrogation que la réaffirmation ça va être les prendre à bras le corps, les repousser et dire j'essaye de vous le dire. Donc on est aux 2/3 du texte, c'est-à-dire le moment où on n'a plus besoin de se protéger. On est même largement les 2/3, mais à un moment donné, se dire, c'est ça, et allez, on y va sur cette suite, cette avalanche de points d'interrogation. Avais-je donc quelque chose de tellement particulier à dire en italique? Mais qu'ai-je dit, point d'interrogation, le 2e. Que s'agit-il de dire, 3e. Dire que l'on est, 4. Dire que l'on écrit, 5. Dire que l'on est écrivain, 6. Besoin de communiquer, quoi, 7. Besoin de communiquer, que l'on a besoin de communiquer, 8. Que l'on est en train de communiquer, 9. Il y en avait 9 et pas 8. Et oui, comment dire? Quelque chose de particulier à dire? Mais qu'ai-je dit? Que s'agit-il de dire? Ce que j'ai dit, ce qu'il y avait à dire. Et que ce qu'il y a à dire vous emmène dans son flux, dire que l'on est, ou la médiation auto-réflexive de ce creusement, ou dire que l'on écrit, dire que l'on est écrivain. Écrire, écrivain, justement, à quel moment, ça retombe aussi là, il y a plein de passerelles avec d'autres textes autobiographiques, mais la question de la légitimité intérieure, elle est là. Et renversement, l'écriture dit qu'elle est là et rien d'autre, et nous revoilà dans ce palais de glace où les mots se renvoient les uns les autres, se répercutent à l'infini sans jamais rencontrer autre chose que leur ombre. Et est-ce que ça aurait marché dans l'autre sens? Probablement, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que là, à un certain moment du texte, on a enchaîné tous ces points d'interrogation en poussant là au plus explosif pour que la phrase qui en sorte, quand on le reformule sans les points d'interrogation, eh bien que ça s'équilibre. Attention, il y a danger. Donc, cette notion d'équilibrage, masse contre masse, masse sur masse, et puis tout d'un coup, la veine inférieure qui prend le dessus, et puis vous renversez par l'affirmation, c'est cet équilibre qui va vous permettre de faire le texte. De grâce, lisez, c'est
ce texte en pensant à cet équilibre et à ce jeu d'équilibrage de masse. Sinon, c'est dangereux. Avais-je donc quelque chose de tellement particulier à dire? Mais qu'ai-je dit? Que s'agit-il de dire? Dire que l'on est, dire que l'on écrit, dire que l'on est écrivain, besoin de communiquer quoi? Besoin de communiquer que l'on a besoin de communiquer, que l'on est en train de communiquer l'écriture. Dis qu'elle est là et rien d'autre. Et nous revoilà dans ce palais de glace où les mots se renvoient les uns les autres, se répercutent à l'infini sans jamais rencontrer autre chose que leur ombre. Moi, je suis au bout de l'ouverture. Donc, première chose à faire dans la page abonnée, aller prendre le texte de Pérec, le lire attentivement. Le titre, ça peut être, vous pouvez le conserver. Réponse à quelques questions me concernant. Sachant bien que personne ne les pose, ces questions. Il n'y a que soi-même à les poser. C'est comme tout ce qu'on met sur Internet. Hein. Tu arrêtes de le placer, ta petite vidéo tous les matins. Personne ne va te dire, ben, elle est où la vidéo du matin? Non. Ça ne nous concerne que nous. Réponse à quelques questions me concernant. Mais c'est toi qui les poses. Réponse à quelques questions me concernant, se souvenir qu'il y a en permanence le contexte. La phrase qui ouvre le texte, c'est celle de son deuxième paragraphe, il y a déjà, le mot déjà, on est déjà dans l'écriture, il y a déjà 2 heures que j'écris. Ça c'est le début, ce mot déjà. Ensuite, eh bien, la fenêtre, les moineaux, le bruit dans la rue, on peut toujours revenir à ce temps de l'écriture, à ce contexte de l'écriture. On est dans une série qui s'appelle Transversale. Ce que vous écrivez, c'est à distance. Le projet, l'amont, la réflexion, c'est à distance. Par contre, dans ce déjà, pour écrire, il faut déjà écrire. Une phrase de Maurice Blanchot qui m'a toujours hanté dans la question de l'atelier d'écriture. Commence par la matière. Et puis, ben, il y va doucement. La première question est sans doute celle-ci, 2. Je pense que c'est simplement une sorte de micro-procrastination dans l'intérieur même de l'écriture. La première question est sans doute. Et comme on y va tout timidement. Celle-ci, 2, c'est de la rhétorique. Et après, ben, on y va la sauce. T'as ouvert? Bon, ben, il est peut-être temps, bonhomme. Pourquoi avoir attendu le dernier moment? La seconde, pourquoi ce titre? Pourquoi ce début? La troisième, pourquoi commencer par poser ces questions? Pourquoi? 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 C'est pas le moment le plus agréable quand tous les enfants passent, ou petits-enfants, passent par cet âge-là, la suite des pourquoi? Pourquoi la mort? À lui, qu'y a-t-il de si difficile? Tu désamorces dans l'intérieur même, avec un point d'interrogation. Si je dis qu'y a-t-il de si difficile, ben, je désamorce l'importance des questions. Mais je réaffirme qu'y a-t-il de si difficile, point d'interrogation. Pam. Pourquoi commencer par un jeu de mots juste assez hermétique pour ne faire sourire qu'un petit nombre de mes amis? Point d'interrogation. Pourquoi continuer par une description juste assez faussement neutre pour que l'on comprenne bien que si je me suis levé tôt, c'est que j'étais très en retard, que si je suis gêné d'être en retard, c'est... je suis gêné. La bonne question est-elle, pourquoi suis-je gêné? Pourquoi suis-je gêné d'être gêné? Ou est-ce d'avoir à me justifier qui me gêne? Et là, à partir de ce moment-là, 2e, Pérec, il est parti. Mais voyez comment on a installé la rhétorique même. Qu'y a-t-il de si difficile? Point d'interrogation. La rhétorique même du jeu de questions devient citée et mise en avant par le texte. Donc ça, quand vous lirez le Pérec, regardez ça de près. Et puis, on y va. Juste bien penser qu'on est dans la série transversale, c'est-à-dire un moment où le déjà écrire, on ne s'en occupe pas, mais on déplie tout ce qui concerne ça, des questions, des doutes, la légitimité, la technique.
Et lui, il nous en met 36. Vous êtes capable d'aller à 36? Deux, sachant que c'est dangereux. Savoir que Pérec, là, pour avancer dans cet équilibre, toujours il alterne, il fond, il superpose l'affirmation, la question. À chaque monde de question, une réitération de l'affirmation, même si c'est seulement le contexte de l'écriture. Et trois, qu'on est dans cette question de l'apostrophe, la question posée à l'autre. Et si j'ai commencé par Rabelais, le surgissement de Panurge devant Pantagruel, chapitre 9 bis, parce que Rabelais n'avait pas prévu le coup, et il l'insère juste après son étudiant Limousin, en se trompant dans la numérotation des chapitres. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Non, où allez-vous? Que cherchez-vous? Dites-moi votre nom. Et là, on a fait plein de trucs bizarres dans nos cycles d'atelier. Travailler une fois sur le point d'interrogation, ben, c'était bien qu'on le fasse. À vous.